Alors, Il me manque. tac. Il me manque 3 d'émeraudes. Oh, c'est con. La plume, on s'en bat le sec. Jacques, tu peux m'envoyer un cadeau? J'arrive. Désolé. En plus, c'est une arbalète musicale. Ça change tout. Mais il est marqué, si la couleur bleue avait un son, ce serait celui des tirs du chercheur d'azur. Ah oui, on va augmenter les levels. 3. J'ai rien dit, Jake, j'ai rien dit, j'ai pas besoin, c'est bon, j'ai pas besoin. Alors, boost le en votre place. Et du coup, il nous reste quoi là, le niveau du boss final? Oui. Oui, le fameux. Qui s'appelle le sommet d'obsidienne. Ah, il s'appelle pas Lilajo? Non. Donne des flèches maintenant. Tu disais quoi, Ralga, tout à l'heure sur les armes automatiques? Quoi? Tu disais quoi tout à l'heure qu'ils allaient nous filer Ouais, bientôt des mais. flingues? Oui, mais là, le quoi c'était, mais comment? C'est mon arme. En Tu fait, veux toujours faire 3 pièces, Draken? Non, c'est bon, moi j'ai fini, moi. Sûr? Oui, c'est bon, j'ai acheté. Merci, Jake. En gros, mon arme, elle a accélération, cadence de tir élevée, donc accélération, chaque tir consécutif augmente de 10% de vitesse d'attaque. Et j'ai infinité 16% de chance de déclencher de récupérer une flèche après un tir. Et du coup, je fais pas beaucoup de dégâts, mais ça va vite. Et après, tu te plains de plus avoir de flèches. Oui, là j'ai plus de flèches. Alors, je réenchante tout. Putain. Vaincre une créature vous soigne. Mets le feu. Certaines, genre, ça va me soigner plutôt. Oh, Ensuite. c'est une massue, ça. Non, comment ça s'appelle? Un fléau. Oui. Ça va me soigner aussi. C'est une arme de la subtilité. Oui, subtilité. Ça c'est bon, ça C'est vrai, il y c'est a du chat. bon, ça c'est bon. Oui. Pourquoi c'est Y? J'ai spammé ça tout le long. J'ai Y'a pas un truc ta gueule? Si, non. Écoutez, je pense que je suis prêt. Eh bien, je vous laisse cliquer sur le sommet d'obsidienne. Le sommet de l'obsidienne. Qui s'appelle ou sinon l'œil de la tempête. Alors juste, il y a des trucs avec des portes. Enfin, là, je vois qu'il y a le temple inférieur, le paradis de l'arche. Je crois que ça me parle. On l'a déjà fait. La crypte Oui. effrayante, pareil. Mais il y a aussi le temple inférieur. Et ça me parle absolument pas. Le temple inférieur, c'est l'emplacement qu'on a débloqué dans le temple du désert. Quand Ça on fait a quoi du cliqué coup? sur la carte. Ça vous dit C'est un d'arrêter avec niveau. le spam du nom là? Ouais. C'est un niveau, c'est quoi? C'est un niveau en plus, c'est une mission secrète. Bah, si c'est court. Ça, je sais pas, j'ai pas fait. Bah, il me semble que les missions secrètes qu'on a pu faire par le passé étaient assez courtes juste avant de faire le boss final. Moi, je pense que c'est intéressant de faire ça quand même. Comme vous voulez. Vous Bon, l'avez vous aussi le temple inférieur ou pas? oui, je l'ai. Oui. On l'a tous normalement. Ouais, bon. Les tombes inconnues. Personne ne sait jusqu'à quelle profondeur ce temple s'étend. Vous devez vous aventurer plus loin dans les catacombes endormies et vous assurer qu'aucun Nilajoie n'y traîne. Donc ici, je ne pourrai pas vous spoil car je ne l'ai jamais fait. Un coffre. Attends, je suis encore en chargement. Mais je t'ai dit que ça fallait pas jouer sur Minitel. Je suis là.
Un deuxième coffre. Oh, la musique elle est trop cool. Et un coffre à la Jack. Il va d'abord celui le plus gros. Il y a un coffre en arrière, Jack. Je crois que si c'était des pièces, il me semble l'avoir. Tu l'as ? Tu l'as ? Ouais, c'est bon, c'est fait. Ok. Alors, j'aime pas trop les niveaux qui commencent en donnant du stuff ou des trucs. Oh. Pas. J'ai une grosse armure là. Oh là ! Oh là ! Oh ! Oh, regardez comme c'est joli ! Allez, et comme en plus, je crois qu'ils vont en faire spawn plein en plus. Alors, d'abord l'argent. Tu as raison, Jack. Le pognon d'abord. Aïe. Ah, ok. Là, c'est un peu faut faire demi-tour. Okay, mais au moins, on voit qu'il y a encore des gros invocateurs derrière. Alors je viens de rater mon gros rayon parce que mon rayon était bloqué par un bras zéro. Ah, nice ouais. C'était en pas plus... un bras 1, un bras 2, c'était un bras 0. Les bras m'en tombent. Je suis désolé. Excellente celle-là, Rando. C'était désarmant. Mais arrêtez-le, il y a un pot là où je suis en haut à droite. Il y a un peu de sous-sous. Aïe. Oh. Attends, il a enchaîné l'araignée ? Moi, oui. Ah, c'est toi qui l'a fait, d'accord, je croyais que c'était le mob. C'est avec ton marteau. Et toi, le mage ? J'ai oublié mon marteau. On va où, à droite ou à gauche ? Il y a deux chemins. Aller en haut à gauche, je pense. Vu que le chemin principal, c'est à droite. À quoi tu vois que c'est principal ? Tu vois le petit vert, le petit carré jaune ? En bas. Là, tu vois pas parce que c'est en dessous de nos sorts, mais... te montre l'objectif principal. Oula, les flammes violettes. Ils sont enchantés. Oula. Ils sont TNT. Ce carnage. J'ai fait un haut fait. Tu es 50 mobs en même temps ou un truc comme ça? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Mais vu que le carnage que j'ai fait, je pense que c'est un truc du genre. Y'a rien. Y'a ici. Alors ça, non. Du coup, on bat. Jake, si jamais tu peux faire F2, F3 ou F4 pour moi. Oui, excusez-moi, je suis en stuff. Vas-y, pas de... Fais F3, je crois que c'est sur Alga. Ah, merci. Hmm.
Ouais, par contre, la précision des flèches, elle est pas ouf hein, avec l'artefact. Il y a un passage secret là. Ah non, c'est une porte, je suis rond comme moi. Ouais, faut aller chercher la clé. Okay, encore. Sors, sors. Putain, si à chaque fois que tu vois une porte, tu fais ah, un passage secret. Oula, par contre, ça. Ah bah non. Bah merde. Oh la TNT. Ah bah non, c'est le pilier. Ah bah tiens. C'est Yakipon qui a le Pikmin. Sors à la table. Et il y aura un coffre sur la droite, donc je pense que quand vous allez faire tout le tour, vous allez ouvrir la porte. J'ai un levier là, ici. Bon bah j'ai cliqué. J'ai ramassé la clé, vu que Yakipon l'a abandonné. Le levier en fait nous permet de faire tout le tour. C'est pas que je l'ai abandonné, c'est que... Et ça ouvre la porte. Sur... sur un bouton, ça fait pop 20 000 millions de monde sur moi, quoi. Ça fait pop le... Ça a ouvert la porte pour le coffre. Merci. Oula. Oh, je vois le passage en haut là. Ouais, les beaux petits pièges là. Jake il va compter jusqu'à 3, voilà. Ah, je vais compter jusqu'à 6. Là. Je vais faire mes lacets au passage. Comme Franklin ? Ouais. Mais on s'en fout en fait du passage avec les machins là, non ? Ouais. Je crois, attends, je vais regarder. Oui, oui, on s'en fout. J'arrive. Moi j'ai la clé, je suis avec Yakipon, mais je pense que c'était pas par là qu'il fallait aller, si ? Si, c'est par là. Il faut retourner en haut, il n'y a pas ici, par ici. Pour la clé, c'est par ici. Viens toi. Oh, je... Derrière. Un bateau. Alors, c'est quitter le temple. Au laser. Attention Raga, tu as une TNT. Attention. J'ai vu. Je lance la TNT. Allez-y. Te trompe pas. Ah putain, la il y avait un mur. Merde. Vas-y Gérard, tu peux lancer. Gérard. Gérard. Le coffre. Bouchard. C'était de qui ce sketch? Jean-François Derek. Oula. Ça me parle même plus. Le mec avec le chapeau rouge qui était dans l'émission de Ruquier, on oui, a tout essayé. Ça y est, je m'en souviens, oui. Référence de Boomer. Hein. Oui, parce que là. Là, y'a rien. Ça, elle était complètement inutile. Oh, il y a eu un truc qui s'est activé là. J'ai entendu un bruit de quelque chose qui s'active. Attends, hein, Drakana, doucement. Oh, non, je suis avec Ralgaï et toi. J'ai juste entendu un bruit de haha et un tididung. Je sais pas d'où ça vient. Tu peux refaire le bruit s'il te plaît ? Haha, tididing. Et après c'était tididing, ok. Tididing. J'étais pas sûr d'avoir bien compris. Joli. Je crois que c'est ici que ça a activé quelque chose. Nous avons un coffre. Il y a du gros combat. Oula. Oh ça va, Ralgaï avec le laser. J'ai un point lumineux sur la map assez loin, je pense que j'ai raté quelque chose. Un point lumineux ? Ah, ouais, dans la grande salle d'où on vient. Ah oui, également. Également. Putain. Oui, non mais il se déplace, je crois que c'est un bug.
Ah non, il se déplace pas, il est fixe. Moi, il se déplace. Quand je bouge, il tente vers le bas. Moi, c'était là que j'avais le point. Ça doit être du stuff. Hein. Je me dépêche. Bizarre parce que... Moi, quand je remonte, il remonte. Ah oui, d'accord, j'ai un point blanc. Ouais, toi aussi, mais c'est ça, moi je lui dis, moi il bouge en fait le point blanc. Exactement. Ah non, il bouge parce que on n'est pas dans la. Il est encore plus loin, dans la petite salle. Ouais. Bon, bah vous pourrez vous TP sur moi quand vous aurez besoin. Ah merde, il faut faire tout le tour, Jack, en plus. C'est F2, c'est ça ? Tu fais F1 et après tu peux choisir qui. Tu peux te TP sur moi, Jack. J'y suis proche. Ah putain, là où je suis passé n'est pas un chemin qui permet de y aller. C'est le même endroit que moi ou pas, Jake? C'est pas loin, ouais. Attendez, c'est qui le bleu? Moi. De Draken. C'est ça, Jake? C'était cet endroit-là? Oui, c'était là. Ouais. Attends, je me téléporte sur toi, Draken. Vas-y. Quoi, maintenant, on se tapait tout sur Yaki, pour. Y'a qui pompe pendant ce temps-là, lui s'amuse. Bah, il y avait des monstres qui arrivaient donc je l'ai tapoté. Tu l'as tapoté? Ouais, genre pip pip pip. Tu peux refaire le bruit s'il te plaît? Pip pip pip. Alors... Reste là-bas, toi. Ah, mais j'ai un aimbot sur mon arc. Enfin, mon arbalète. C'est quoi? Bah, ça lock directement les ennemis, en fait. Genre, j'ai juste à tirer dans leur direction, et puis ça tire directement sur eux. Je viens de prendre un niveau. T'entends toujours le bruit de la poule. Fais la poule. Tu verras, tu seras plus cool. Cochon. J'ai une porte là. Attends, on clean la salle au-dessus parce qu'il y a quand même du monde. Je pense qu'on est obligé de passer par la porte pour continuer. Quoi. Gros laser, hein. Je sais pas qui c'est qui l'a fait. Mais... J'ai mis ce bouton. Il est mieux celui-là? Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est pas mal. Bon, ça commence à faire. I'm a firing laser. Yo. Nouvel objectif, quitter le temple. On va vers le bon chemin. Vaut mieux prendre la porte là où on... Il y a tellement de mobs que mon laser, il n'arrive pas à traverser. En plus, faut pas croiser les effluves. Ah non, mais en fait, c'est parce qu'il y a une marche. Il y a une petite marche, donc ça traverse pas. Ouais, non, donc c'est la fin. Là, on est là, on est à la fin. Recule. Allons sur Yakipon. Sans jeu de mots. Ouais, venez vite en vrai. J'arrive. Non, c'est F2 Yakipon. J'ai un comité d'accueil assez sympathique. Ah, le fameux comité d'accueil. Y'avait une salade? Non, il n'y avait pas de salade. Hein. Mais. Je me suis TP et le temps de revenir, je suis mort. Ah oui, non, mais je l'avais dit. Qu'il y avait du monde. Wow. Ah, il y a des flammes un peu. En plein milieu, genre, je vais le relever. En fait, c'est ça, c'est que je me suis TP sur Yaki et les flammes m'ont spawn tout de suite. Ah, mais crois-moi que quand je suis arrivé, j'ai galéré. Ah bah, je me. Putain, il y a des grosses. Ils étaient tous devant la porte, j'ai fait oulala. Oula. Oh mon dieu. Ah, c'est énorme cette map. Oula.
On va monter les marches. Hein. Oh là 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 là. Je n'ai plus d'âme. Je suis devenu heureux. Depuis bien longtemps. J'en épuise également. Potion de rapidité. Aïe. Putain, qu'est-ce que j'aime les stuns, quoi. T'as la poudre de choc. Ah là, ouais, j'ai la poudre au coin, hein. Toi, quoi. C'est trop trop bien. T'as tout ça pour un coffre. 60 sympa, il t'a rien fait, le coffre. Il a pas choisi. Ah non. De vivre ici. On appuie sur la droite, j'avais pas vu. T'auras le gars, viens vers moi. Merci. Le petit niveau 30. Est attendu à l'accueil. Je crois qu'on monte beaucoup plus vite qu'avant. Votre attention, s'il vous plaît. Le petit niveau 30 est attendu. Il y a un petit stuff unique qui est du côté de Ralga, là. La crapule rose. Je crois que c'est l'arc de charme que t'as eu. J'ai une armure. Ah bon ? Je pense. Ouais, moi aussi, j'ai une armure moisie, là. Pareil. Très déçu. Alors, enchantement. La déception m'habite. J'ai plus de flèches, mais je pense que c'est le même que toi. Jackie Bazou, il y va, là. Comme un guerrier. Il se fait péter le fiac. Je suis ton sauveur. Ouais. Lâchez-moi, vous me faites mal. Gérard, lâchez-moi. Ok. Oh, au secours, au secours. Jeanne. Une référence scénaristique. Po po po. Boy. C'est la flèche qui rebondit. Je sais pas, mais ça fait boing. Je vais lâcher la TNT. Oh non, pas devant les enfants. J'ai beaucoup tué avec la TNT. J'ai une autre TNT, je vais la relâcher. Une petite TNT sauvage. Par contre, il y a des coffres partout, quoi. J'ai un arc piège. Est-ce que ça veut dire que c'est un vrai arc? Est-ce que tu t'appelles Jean-François? Jean-François piège? Ouais. Oh, un bâton légendaire. Je sais plus qui c'est, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-François piège. Je ne sais pas qui peut-être. Je ne sais pas qui c'est. Jean-François piège, mais si, c'est un des chefs de Top Chef. Oui, ouais, c'est bien. Ah, c'est bien pour ça que je le connais pas. Exactement, même même argumentaire. Qui regarde la télé en 2022. Sans parler de Top Chef, c'est que c'est des cuisiniers, ce sont des grands chefs. Je ne connais que Maïté, Jean-Pierre Robuchon et Jean-Pierre Coff. Ok, t'es les trois qui sont morts. Quoi. Joël Robuchon. Maïté, elle est pas morte. Oh, Maïté, elle est pas morte, la pauvre. Respecte-le. On va devoir faire le chemin arrière. Pardon. Oh, mon Dieu. Tu mérites le trépas. Voilà, après, elle est... après, elle a 82 ans, je pense. Tu vais d'un poil, quoi. Pardon, on va dire, Alga. Elle a 82 ans, elle est plus toute fraîche non plus, quoi, mais... Ah bah déjà, quand elle tapait l'anguille... Oh non. J'ai quand même sucé le derrière. Ah oh, oui. C'est drôle à voir, quoi. Je sais pas, c'est un peu le malaise. Ça me dégouline. Ah, ça me dégouline partout. Je me dégoûte. Je me dégoûte. Alors, il faut que... Quel enfer, quoi. C'est bon, je suis à la sortie. Je vais vite. Je m'entraîne. Dracon, t'es où? J'étais en train de faire mon stuff, j'arrive, je vais me TP sur Yakipo. Non, mais en fait, je ne voyais non, même plus. Non, t'es toi sur Algar.
Ah bah je suis sur toi. Et merde. C'est ça, tu m'aimes pas? Ouais, exactement, j'aime pas les nordistes. C'est quoi les chiffres que vous avez à côté de vous? C'est les nombres de flèches. Il y a là, qui tu penses toi que j'en ai pas beaucoup. Non, regarde, j'en ai 85. Il y en a 85. Moi j'en ai 3 et bientôt 0. En fait, t'as vu 1 parce que j'avais ma flèche spéciale enclenchée, c'est pour ça. D'accord. Genre là, tu vas me voir avec 3. Je vais vite. Alors, roulade ou boule de neige. Je déteste les araignées. Oh là là, oh là là, oh là là, il est gros lui. Oh 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 oh. Oui, et il fait nuage de poison. C'est surtout que ce petit enfoiré, il y a une araignée qui m'a bloqué dans les flammes. J'ai pas aimé. Hein. Aïe, ma vie aïe, était aïe, moche aïe. Là. Il avait tapé au gros laser sur le boss. Je n'ai plus de dame. J'en ai plus beaucoup, moi. C'est bon, je tape au laser. Non, ça fait quoi, moi aussi, j'ai un truc de poison. Poison. Poison, le petit poison, là. Poison, là. Le petit poison de Vonusson. Le petit poison, là. L'eau. On va l'empoisonner. Puis après, on va aller manger un biki. On va manger les chicons, là. Un petit biki. C'est quoi, ça, un biki? Un biki, c'est... une fricadelle, mais avec des frites, je crois. En gros, c'est un sandwich fricadelle, mais avec des frites dedans. D'accord, c'est quoi un sandwich fricadelle? Bah, c'est parce qu'il y a une fricadelle. Du pain et de la fricadelle. Et une fricadelle. Une fricadelle. Et des frites. C'est vraiment pour un con, mais c'est quoi une fricadelle? Fricadelle, c'est une saucisse spéciale du Nord. Voilà. C'est pas de la saucisse. On peut pas dire ce qu'il y a dedans, mais... c'est pas de la saucisse. C'est une espèce de pâté avec des oignons, avec pas mal de choses, mais c'est pas de la viande. Enfin, c'est pas de la viande. C'est compliqué de dire que c'est de la viande. C'est... Je sais pas, non, je pense pas que ça soit végé. Est-ce que t'as déjà vu le film Dickeneck, Jake? Oui, mais ça remonte, il m'a tellement pas marqué. Ah, voilà. Tu sais ce que c'est la fricadelle, alors? Fricadelle. Une fouée. Waouh! Regardez, je marche. Incroyable, je roule. Oui. Oui. Mais c'est très bon, les fricadelles. D'accord. C'est vrai que la seule... En gros, c'est une saucisse un peu épicée, mais c'est très bon. Putain, ils ont vraiment des têtes de vainqueurs, nos persos. Poudre de choc. On a vaincu 99% des créatures. Ouais, il nous a manqué une. Quelque part, il doit y avoir une araignée qui faisait... Elle faisait comment? Oh mon dieu, tout ce qu'on a eu! Oh là là! Pas de refaire un son parce que je l'ai fait toujours à la perfection. Oh oui. Surtout le nounours. Pourquoi je rigole? Parce qu'il rigole, le nain. Et que t'es un nain. Un nain compris. Un incongru. Oh. Je suis en train de tout vendre. Bah vaut mieux. Oui. Moi j'ai tout vendu et là je me suis acheté encore une armure légendaire. Au marchand de. Putain mais t'es riche. Écoutez cette. Moi j'aimerais bien acheter une nouvelle armure légendaire mais j'ai pas de. Moi on m'en propose pas. Personne qui me le propose.